Quand on est gamin, on rêve de vivre ce genre de moment. On attend, on est impatient. Et puis, voilà, quand on devient grand, eh bien, on continue à rêver, à guetter ce moment magique. Ce moment où le coup de sifflet retentit, ce moment où tout est possible finalement. Et voilà, quand un match commence, eh bien, on est toujours un enfant. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? On est impatient de le découvrir. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité, le Danemark contre la Suède. Bien fait, bonne intervention pour dégager ce ballon. Oui, mais il faut pour cela anticiper ce qui pouvait arriver, avoir deux ou trois coups d'avance. Le but a l'air facile parce que le ballon est repoussé au deuxième poteau, mais il fallait se trouver là. Ce centre part bien, c'est bien joué. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. C'est Eriksen. Bien parti dans le dos. Et oui, but ! Encore un ! Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Regardez, tout va très vite en cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond. Ouais, la frappe, ça part bien. Oh, le montant ! Quelle belle frappe ! Une frappe chimiquement pure, assaisonnée à l'huile d'olive, mais à quelques centimètres de la perfection. La différence est faite. Attention, très bonne occasion. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, réalisme, tout leur sourit. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. Coup de sifflet final dans cette rencontre et ça se finit donc avec une victoire à la mi-temps. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très très grand match de sa part. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.